Et bonjour, alors aujourd'hui c'est fabrication d'une ruche éleveuse. Donc l'idée c'est un corps sur 10 cadres pour les sa-mère et ensuite 2 fois 2 partitions en 3 cadres passables en 6 cadres pour faire élevage de rennes et des essaims. Alors du coup moi j'ai utilisé des lames de volets de recyclés, c'est-à-dire qu'en fait j'avais démonté des volets. Je les ai récupérer et utiliser en fait pour faire la ruche. Alors pourquoi la faire avec des lames de volet? Ben déjà parce que c'est beaucoup plus pratique. Là en l'occurrence c'était gratuit vu le prix du bois, c'est quand même pas mal. Mais bon, allez, maintenant c'est parti pour la vidéo. Thank you.
bien entendu, l'ouverture, je la fais charnière côté sortie des abeilles. Donc, j'ai mis d'un côté le câble pour la fixation du câble qui retient le toit. Et donc, ensuite, quand je soulève, j'ai l'autre qui vient dans l'angle. Bon, pour moi, ce qui est pratique, c'est d'avoir un toit qui tient à 90 degrés, ne serait-ce que pour faire, si j'ai besoin, un essaim ou une réunion de colonie en posant une ruchette ou un corps de ruche. Et donc l'avantage, donc, c'est que ça tient. Bon, après, il ne faut pas y aller comme un bourrin, il ne faut pas le lâcher, sinon ça peut accessoirement arracher. Ça m'est jamais arrivé, mais bon. Et donc, fermeture, il n'y a rien à gérer. Ça va automatiquement à l'intérieur.